ce soir c'est s'beul, je rentre dans le club. Ce soir c'est s'beul, je te promets, je rentre avant l'heure. Ce soir c'est s'beul, je rentre dans le club. Ouais, tout le monde, c'est Gab Morrison là. Je suis direct de Lormont avec le frérot. Ça va ou quoi, mon ref? Ça va et toi? Ah, on est là. Déjà, on est où là exactement en fait? Et là, comme tu peux voir, on est aux Alpes, 300 Visca, voilà, ce quartier Lormont, voilà, je connais, côté t'as Saint-Hilaire, LG3, Carrier, tout ça ensemble, c'est 300 Visca, voilà, je connais. C'est ça, ouais, voilà. Tu peux te présenter aussi un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas. Et moi, voilà, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est Caïs. Caïs, voilà, j'ai fait quoi? J'ai fait 200, j'ai plein de projets qui vont arriver, et voilà. Ça c'est le tas là. C'est ici ouais. Donc ça là, depuis petit en gros, ça fait que tu vois, on a toujours vu les grands bloqués là. Et ça fait que tu vois, étant plus jeune, nous on bloquait tout le temps là. Du coup, tu vois, on regardait au loin, étant petit, on se demandait toujours, ouais, ils font quoi et tout, à bloquer là. Tu vois, ça attire l'attention. Ouais. On cherche toujours à savoir et tout. Et là, tu vois, comme on dit, les types ont grandi. Maintenant, tu vois, on est là, on essaie de prendre la relève. Voilà. Rentre dans l'appart, la porte je l'ai bloqué. La putain de sa mère, la putain de sa madre. De temps en temps j'ai des sous et je recommence. C'est du business que je perds, je le compense. Délové et tout part en défense. Et demain soir ben je me cache, pars en vacances. Toi t'as fait ALP, j'ai le fait 1 là. J'ai fait ALP1, ouais. Et ça veut dire quoi en fait ALP? ALP1, c'est, tu vois, c'est dans le mot, c'est les Alpes, tu vois. C'est ça, ouais. Les Alpes, ALP1, ça veut dire c'est les freestyle qui va sortir. Ça fait que quoi, c'est ALP1, tu vois. C'est un peu plus que les Alpes, tu vois. Et voilà. Après, heureusement, alhamdoulilah, j'ai eu la force de tous les gens qui m'entourent. Et voilà, mais carrément, regarde, quand je te disais ALP1, il y a une prise là qui a été faite là, tu vois. Ouais, ici. Et je sais pas si tu peux remarquer ou quoi, mais c'est exactement la prise de la scène et tout ce qui va avec. Il y a la suite qui est prévue, du coup. Là, la suite qui est prévue, carrément. Là, on a un clip là demain. Donc ça va être un petit chinois avec en feat avec Bakou de la 4B. Ah ouais. Voilà, des grosses surprises qui vont arriver pour la suite. Et après voilà. Après il y a encore d'autres choses qui vont arriver. Il y a d'autres surprises. Il y a des sons parce que là tu vois l'été approche. Ça fait que il y a beaucoup de sons. On va charbonner. Il y a beaucoup de sons qui vont arriver. Et c'est comment mon ref du coup, t'as fait un feat déjà avec Bakouk? J'ai fait un feat avec Bakouk. Et t'as dit on a d'autres un peu prévus, vous deux vous êtes connus comment en fait? En fait Bakouk c'est de la famille, ça fait qu'on se connaît depuis toujours, voilà c'est le zinc. Bakouk c'est le zinc, voilà. Après voilà on a toujours été ensemble, depuis petit, on se connaît, on s'est toujours côtoyé, voilà, on se connaît. Donc ça s'est fait comment? Ça s'est fait naturellement tu vois, ça a été le truc qui a lancé un peu le projet et tout ça. Ouais, je capte, ouais. Et voilà, après, voilà, il y a eu un feat avec Bakou qui a eu quoi? Il y a eu qu'un feat, carrément. Et c'était avec Bakou. Il va y avoir d'autres surprises, franchement. Il n'y a pas que lui. Il va y avoir d'autres surprises avec d'autres rappeurs et tout. On est en communication et voilà, ça bouge pas. Grosse force à lui, en tout cas, avec la 4B, tous les gars de la 4B, et puis voilà. Et t'es en connexion un peu avec les autres de la 4B aussi? Ouais, de fou. La Kaya, Snesco, eux aussi, c'est méga de ouf. On est tout le temps en bleu sang. Et voilà. Après, tu vois, j'ai fait un feat avec Bakou, ça fait que je peux pas non plus faire un feat avec. Ouais. Tout le monde prend des squats à part, ouais, viens, on fait un feat. Autant que je fasse un feat directement avec la 4B. Ouais, c'est sûr. Du coup, voilà, après, ça va arriver de toute façon. Ce soir, c'est s'beul, je te promets, je rentre avant l'heure. Simple et efficace, je rentre, je connais les videurs. Y'a cette pute qui m'appelle, je lui fais le killer. Elle cherche pas bonheur, juste un coup d'une heure. Ce qu'elle sait pas, c'est qu'avant, je parlais à sa sœur. Y'a pas d'heure, déjà coupé coca. Elle me dit non, la CV, je te mets sous vodka. Je lui dis non, ni sa mère, là-bas ça s'agite. Le poteau veut se dev, c'est la défaut d'étale vite. Je suis sous rabat, je vois tout le temps. Voilà. On est donc là, tout ça là c'est ceux qui donnent la force, ils sont tous ensemble, je peux un peu se filmer, voilà. Et voilà, quand on est tous ensemble c'est carré. Et du coup ouais t'as d'autres endroits où tu vas clipper un peu ici? Et ouais, mais regarde là on a. C'est prévu comme je t'ai dit, c'est bandit chinois. On va essayer de faire une prise ici, une prise à Carrier, tu vois. Et là de toute façon,
ce soit ici, vu qu'on a déjà fait une petite prise ici, ça fait qu'on va un peu trop dans le quartier. Donc voilà. Ouais, je capte. Voilà, le quartier là c'est grand, tu vois. Là c'est bien clair défini, je pense. Si t'as vu un peu de là. Mmh. Voilà, là carrément, t'as pas putain de gros. C'est les hommes ça. Là c'est les gars, c'est le quartier, tu vois. Alors, c'est... Voilà, comme je dis. Là de toute façon, tu vois, c'est toujours les mêmes têtes, pas ça. Tout le temps ensemble. Si je suis pas là, si je suis aux Alpes, si je suis pas aux Alpes, je suis ici, ça bouge pas, voilà, on est tous ensemble. C'est ça, ouais, là on est rive droite. Y'a quoi de différent avec la rive gauche en fait? La rive gauche, et moi carrément, y'a Ramba qui passe là. Il y a quoi de différent? Comme je t'ai dit moi tout à l'heure, c'est que tu vois, t'entendras toujours sur Bordeaux que la rive gauche, ils sont comparés. En gros, tu vas toujours entendre que rive gauche, c'est une mentalité Paname et la rive droite, c'est une mentalité Marseille. Tu vas toujours entendre ça. C'est bien, tu vois. Et pour les gens qui sont vraiment de Bordeaux, de toute façon, tu vois, ça se reconnaît, tu vois. Voilà. Ouais, les gars, du coup, on est où là exactement? Là, on est dans le quartier de Monsieur, là. La coupe qu'a cravé, voilà, après vous connaissez, vous allez dépasser dans son quartier, voilà, pour faire un peu ce truc. Tu peux me donner ma canette? C'est ça, on a carré là? On a carré, on est dans son quartier, on est passé comme ça, voilà. Voilà. Bien sûr. Comme je t'ai dit, tu vois, le 310K, on est ensemble, les appuis carré, on est ensemble. Ouais, c'est ça, voilà, je connais, c'est là. Toi, ça fait longtemps, hein? Ça fait quoi depuis l'interview qu'on a fait il y a 2 ans là? Ça date ça! Putain, ça remonte de fou! On était jeunes de ouf! Non, en vrai, depuis ça dit que vas-y frère, on est encore dedans, tu vois. Après, on espère que ça va prendre et tout. On pousse encore un peu, tu vois. On est jeunes encore et vas-y, on a le temps. Ouais, y a des trucs un peu prévus ou quoi pour la suite? Ouais, là carrément, demain je clip avec lui là. Ensuite là, j'ai fait un, on a 4 abos, on a fait un clip avec Elko et Flinko. Et là, ça veut dire, vas-y, là, que tu bon qui arrive, là, des bons sons d'été et tout. Ce soir, 16 meules, je te promets, je rentre avant l'heure. Simple et efficace, je rentre, je connais les videurs. Y'a ces putes qui m'appellent, juif comme killer. Elle cherche pas bonheur, juste un coup d'une heure. Ce qu'elle sait pas, c'est qu'avant, je parlais à sa sœur. Y'a d'autres connexions un peu en dehors de la K3B qui sont peut-être prévues? Ils sont peut-être prévues? Bah, ça, c'est une surprise. C'est la surprise et tu vas voir. Hein. Parce que je peux pas tout te dire maintenant, tout dévoiler comme ça. Et après, pour te dire, je parle pas là non plus avec trop de rappeurs, tu vois. J'essaye de faire la part des choses, de pas trop mélanger, tu vois. Ah ouais, je capte. Regarde, si je te dis, si j'ai un nom à te donner. S'il y a une connexion qui va peut-être se faire ou autre, je te dirais quoi, Ciblock. Ah mais les JC, il est de carrière lui aussi, ouais. Carrière Ciblock. Ciblock aussi, c'est la famille. Il avait pas arrêté la musique lui en plus? Ah, il a fait un petit truc, il a fait une petite poste. Je pense, après je vais pas parler à sa place ou quoi, mais dans toute carrière de rappeur, tu sais, il y a un moment tu te poses et tout. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Il est en force, il est là. Enfin, là c'est la famille et grosse force à lui aussi. Ouais, puis il y a une question un peu, les gens, vu qu'ils connaissent pas trop à Bordeaux, c'est comment le rap et tout. Est-ce que c'est difficile de rapper ici? Parce que tu sais, les studios, les clippers, il y en a peut-être moins qu'à Paris et tout. Ouais. Donc, ouais. Et franchement, moi, pour répondre à cette question, est-ce que c'est difficile de rapper? De toute façon, c'est évident, ouais. Comparé à Paris, Bordeaux, tout ça, c'est pas pareil. Tu vois, c'est compliqué dans le sens où les connexions, la communication, les rappeurs, tout ça, tu vois, c'est pas... Tu vois, à Paris, il y a tout le monde. Il y a tout le monde se connaît, tout ça. Et Bordeaux, il n'y a pas encore. Encore moi, si je devais te sortir une tête à Bordeaux qui est vraiment, tu vois, je te dirais quoi, Sams. Ah, ben ouais, bien sûr. Validé, tu vois. Ouais. Et sinon, à part ça, voilà, ben ouais, c'est compliqué, tu vois. Mais bon, après... On essaye, on force, et après on espère qu'à la fin ça va payer. Ok, c'est carré mon gars. T'as, à part ça, t'as d'autres projets un peu ou des trucs comme ça prévus? D'autres projets? On espère, si tout se passe bien, dans l'année prochaine ou quoi, sortir une mixtape.
On va voir de toute façon. On est suivi et ensuite on va voir ce que ça va donner de toute façon. Voilà. T'es où là? On va pas parler avant l'heure. On laisse les choses se faire tranquillement et après on verra avec le temps. Dans combien de temps? Ok mon gars. Et puis il y a aussi, vu qu'il y a plein de gens, ils sont pas de Bordeaux là, ils vont regarder la vidéo. Ouais. Si tu devais donner envie un peu aux gens là, qu'ils aillent écouter ce que tu fais, tu dirais quoi? Ah ouais, c'est compliqué ça. Si moi franchement je dirais quoi, tu vois, de toute façon il y a de l'envie. Donc après voilà, moi pour les gens qui me suivent, ils savent ce que je fais. Voilà, je fais du rap, kicker, j'essaie d'en faire pour tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde veut pas du rap kicker, tout le monde veut un peu de tout, tu vois. Donc j'essaie de faire un peu de tout. Et voilà, de toute façon on verra. Après, j'invite vraiment les personnes qui me connaissent pas à aller voir. Et s'ils aiment tant mieux. S'ils aiment pas, ben c'est pas grave, au calme. Ouais, c'est carré mon gars, la dernière question, ouais. Là je l'ai dit dans chaque vidéo, c'est quoi ton équipe de foot préférée? Équipe de foot préférée? Ouais. En Ligue 1 c'est Paris. Paris ouais. C'est Paris. Au calme mon gars. Et sinon à part ça, c'est le Real. Real, hein, bien sûr. À fond. Et t'as des réseaux, Insta, Snap, tout ça? Réseau, Insta, Kaïs310K, Snap, le Sylvainio. Vas-y c'est carré, merci à toi mon ref en tout cas. Pas de soucis la famille. On est ensemble. C'est le dumb qui a la cam, qui cavale la canne, la patate est viscère, la raison elle est aussi. Je suis pas parti, je suis resté, je navigue. Le bateau va couler, capitaine va canner. Demain je passe sur écran, demain je passe sur écran. Mais qui est cette légende, demande à mes enfants. Je peux pas fermer l'œil, mais où est la taille? La brigade de sub, c'est qu'on a rien à perdre.